60 mètres en 6 secondes 53, 100 mètres en 9 secondes 93, ou encore 200 mètres en un peu moins de 21 secondes, mon invité du jour est une flèche, littéralement. En 2017, il a été révélé aux yeux du monde en explosant tous les records nationaux lors des 8e Jeux de la Francophonie qui se sont tenus sur nos terres, en Côte d'Ivoire. C'est bel et bien l'homme le plus rapide de la Côte d'Ivoire, Arthur Guessissé, qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Monsieur Guessissé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ashley, c'est un plaisir pour moi d'être sur vos chaînes aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je suis tout à vous. Alors, revenons à 2017, si vous le voulez bien. 8e jeu de la francophonie à Abidjan. Vous mettez la Côte d'Ivoire sur le toit du monde en athlétisme, devenant ainsi le sprinter le plus rapide de notre histoire. À ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? Disons, en 2017, c'était franchement une année exceptionnelle où j'ai été relevé aux Ivoiriens grâce au jeu de la francophonie. C'est vraiment super. On est venu en tant qu'inconnu. Personne ne savait d'où on venait et tout. Mais on savait ce qu'on avait fait avec le coach. Donc, on a fait notre part. Dieu merci, tout s'est bien passé. Ça reste l'un des meilleurs souvenirs pour moi. Et je pense que même si ça reste l'un des meilleurs souvenirs, il y a aussi eu des moments où ça a été difficile, surtout la finale. Moi, je me rappelle à chaque fois, c'est l'une des compétitions où j'ai eu le plus mal. J'étais tellement confiant, je pensais avoir la médaille d'or. Et malheureusement, je termine deuxième. Médaille d'argent, c'est quand même bien. Expérience. Ah, médaille d'argent, mais c'était franchement une belle expérience. Une belle expérience, ouais. On disait justement que ces jeux vous ont en quelque sorte révélé au grand public. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a véritablement eu un avant-après Jeux de la francophonie? Pas vraiment, parce que avant ça, c'était le petit Cité qui s'est débrouillé, qui venait de Mans, Yamoussoukro, Dakar, franchement, on a eu un long parcours. Ce parcours, justement, on va en parler. Comment vous êtes arrivé à l'athlétisme alors que la Côte d'Ivoire, on va pas se mentir, c'est plutôt une nation du football. Bien vrai, la Côte d'Ivoire est une nation de football, mais hormis ça, on avait des très grands sprinteurs comme Gabriel Tchako, Meite Ben, Milan Haroué, Talo Marie-José. C'est des personnes qu'on suivait, mais moi, franchement, je n'ai pas y pensé qu'un jour je serais peut-être le meilleur sprinteur ivoirien. L'homme le plus rapide de la Côte d'Ivoire, 5e meilleur sprinter africain. Donc, franchement, dès l'homme propose et Dieu dispose, mon rêve c'était de devenir grand footballeur. Mais aujourd'hui, je suis devenu meilleur sprinter. Donc, on ne peut que dire merci à Dieu et essayer de continuer sur le chemin où nous sommes. Mais comment cette transition du football à l'athlétisme s'est faite? Et à quel âge? Je pense que je commençais un peu l'athlétisme un peu tard, à l'âge de 17 ans. Et grâce à mon professeur de DPS, M. Steve Mackey, à qui je fais déjà un gros coucou. Et je pense que 2014-2015, la fédération avait organisé une sélection. À ce temps, on disait détection des jeunes talents. Ouais. Donc, c'était nommé détection des jeunes talents, Muriel Haroué, parce qu'en 2017 ou 2018, je pense qu'elle avait décroché la double médaille d'or au championnat du monde au 100 et au 200 mètres. Donc, la fédération a profité pour lancer les détections des jeunes talents. Et c'est là où mon professeur de PS Midi, si c'est écoute, on lance une détection, j'aimerais que tu cours. Moi, je lui ai dit, mais écoute, c'est quoi? On se met là, on court là dans le hasard et on ne sait pas où on va. Il m'a dit, non, vas-y, essaye. Donc, j'ai essayé, il m'a forcé, je ne voulais pas parce que moi, j'étais vraiment focalisé sur le football et tout, les études. Et ils organisent dans la région à Mans
Je gagne la finale régionale. Je pense 2 semaines après, on me dit il y aura la finale nationale à Yamoussoukro. J'arrive à Yamoussoukro, je vois des gens, des gars avec qui j'ai passé de très bons moments. Tombi, Aurel, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Ezekiel, qui est aujourd'hui à Abidjan. Kone Mabudu, qui est aujourd'hui en France. C'est des personnes avec qui j'ai eu à passer ce petit transit-là pendant la détection. Et quand on est arrivé, j'ai vu Tombi, c'est tout. Tombi, c'était le chouchou de la fédération. Il était fort. Mais quand on est arrivé, on vient du bled, comme on le dit. On est arrivé, on dit finale. Je me suis mis dans le couloir là, sans chaussures, avec mon short de Barcelone, je me rappelle. Et là, on nous donne le départ. Je finis premier. Waouh, extraordinaire, incroyable. J'ai dit, ah bah, j'ai gagné. Donc, on me dit, bah écoutez, rentrez, on va vous appeler peut-être dans 6 mois ou 4 mois, la fédération va créer un centre. Muray Away à Yamoussoukro. Je pense qu'ils ont tenu promesse. 6 mois après, on a rejoint le centre de Yamoussoukro, là où j'ai fait presque 2 ans. Je fais mon parcours scolaire, seconde, première à Yamoussoukro. Je pense en 2016 ou 2017, j'obtiens une bourse pour aller à Dakar pour rejoindre mon défunt coach, aujourd'hui qui n'est plus. Avec qui j'ai passé presque toute ma carrière. J'ai passé 10 ans de ma carrière avec lui, j'ai jamais changé de coach. On en reparlera d'ailleurs. Je pense que ça a été des bons moments, des bons souvenirs. Mais on essaie d'aller de l'avant. On vous sent très ému, Monsieur Cissé. On va essayer de positiver. Dans quelques semaines, vous serez à Kinshasa pour à nouveau défendre nos couleurs. Avec un parcours aussi, on va dire, aussi droit en quelque sorte, où il y a des victoires sur des victoires sur des victoires sur des victoires. Est-ce qu'au final, c'est pas un fardeau d'avoir un tel parcours quand on se prépare pour une nouvelle compétition? Ah, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est franchement un grand fardeau sur la tête, sur le dos, parce que derrière, il y a la jeune génération qui nous regarde, qui nous suit et qui veut avoir les mêmes rêves que nous. Et à chaque fois qu'on a des grandes compétitions, c'est le stress, l'entraînement, le stress. Mais l'objectif ne change pas. L'objectif ne change pas. On y va pour avoir une médaille pour le pays, se faire plaisir d'abord quand tu pars dans une compétition, c'est pour prendre plaisir et Effectivement. puis le reste, voilà, Dieu va faire ce qu'il faut parce qu'on a travaillé, on a travaillé dur. Le résultat, c'est tout simplement de l'amusement parce que moi, quand je pars en compète, c'est avant, quand je partais, j'étais stressé, je me disais, ah, écoute, il faut que je cours vite, mais maintenant, je prends juste du plaisir et je profite pour faire plaisir à toutes ces personnes-là qui aiment la clé. Et moi aussi, me fait plaisir. Mais la médaille dont vous parliez, c'est la médaille d'or? Exactement, exactement. Aujourd'hui, en athlétisme, tout est possible. En athlétisme, aujourd'hui, tout est possible. Les portes sont ouvertes. Tout le monde a la chance d'avoir une médaille. Donc, avoir confiance en soi et aller dans les grands championnats sans stress, aujourd'hui, c'est ça le plus important. Surtout le mental. Parce que tout est possible aujourd'hui, on veut 100 mètres. À part que lui qui nous fatigue un peu, surtout les jeux de la francophonie, disons qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment le niveau. Donc, si on part, c'est pas juste se faire plaisir, prendre la médaille d'or et rentrer. Mais je parle des grandes compétitions telles que les Jeux olympiques, les championnats du monde. C'est là où tout est dur. Mais pour les Jeux de la francophonie, c'est juste un entraînement vite fait et on fait le job et après on rentre. C'est pas une histoire de confiance, mais on sait ce qu'on a fait. Et si on part au jeu, franchement, c'est pas aller prendre la médaille d'or, c'est pas pour aller se faire une médaille d'argent, une médaille de bronze. Voilà. Donc c'est impossible.
Alors, j'ai une question qui est en rapport avec votre préparation. Déjà, comment elle se passe? Franchement, ça a été dur. Ça a été Ouais. dur parce que j'avais tout programmé avec mon défunt coach. Et quand il est parti, ça a eu un impact sur ma préparation, ça a eu un impact déjà même sur ma vie. Mais ces derniers mots, c'était d'aller de l'avant, de continuer à persévérer, quelle que soit la situation. Je pense que après le mois d'avril, je me suis pas entraîné, je suis resté là dans mon coin. J'avais Ouais. plus envie de courir, j'avais plus envie de rien parce que mine de rien, il était comme mon père, tu vois. Il était comme mon père. Je passais 10 ans de ma vie avec lui, donc il me connaissait même plus que mon père. Et quand il est parti, franchement, j'avais plus goût à l'athlé. Je voulais tout abandonner, je voulais arrêter. Ben, quand je me rappelle de ses dernières paroles, j'essaie de me relever, essayer d'aller de l'avant. Mais aujourd'hui, Ouais. ça va, j'essaie de passer le cap, même si c'est pas facile. Mais, pour l'instant, la préparation se passe bien. Je me prépare là, je suis en Allemagne, je me prépare pour les prochaines grandes compétitions, telles que les Jeux de la Francophonie, les Championnats du Monde et les Jeux Olympiques l'année prochaine. Et, espérons que, on sera au top de notre niveau. Je le veux. Et que Dieu vous fortifie dans cette épreuve. Dit au nom de toute la rédaction de cette info. Vous le savez peut-être déjà, cette info est le seul diffuseur privé ivoirien des 9e Jeux de la Francophonie. Est-ce que savoir ça, comment ça renforce votre motivation de savoir que vous Franchement, allez être suivi? je vous avoue que je n'étais pas au courant qu'il y avait cette info-là. Ouais. Franchement, je sais pas. Moi, dans ma tête, c'est peut-être la RTI, je sais pas, la chaîne ivoirienne C'est qui va diffuser les jeux. la seule chaîne privée Voilà. ivoirienne qui Ben, va. en ce moment, ils sont tellement focalisés sur la CAN qu'ils n'ont même pas le temps qu'il y a les jeux de la francophonie. Mais franchement, chapeau à la chaîne, chapeau à cette info. Parce que diffuser les jeux comme ça, tant que personne ne se soucie vraiment, c'est à féliciter. Et ça fait plaisir que les Ivoiriens auront au moins l'occasion de suivre sur votre chaîne. Et on fera de notre mieux pour donner le meilleur de nous aux jeux. Ouais. Arthur Guessicé, merci d'avoir répondu à nos questions. Au nom de toute la rédaction de cette info, je vous souhaite un bon courage pour les prochains Jeux de la Francophonie à venir à Kinshasa et les autres compétitions auxquelles vous allez participer. Les 9e Jeux de la Francophonie que vous pourrez suivre sur cette info à partir du 28 juillet prochain. Bonne suite des programmes.